Bah voilà, je voulais un peu intervenir par rapport à ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que d'habitude, c'est toujours nous qui en prenons plein notre tête parce que on fait ci, on fait ça, au final on a une vie quoi. Et il nous a toujours balancé, sauf que dans la vie, nous bah, on a appris à le savoir parce qu'il nous a toujours balancé des trucs en pleine figure, mais dans la vie tout se sait et aujourd'hui bah, c'est lui qui en paye les frais. Donc voilà. Bah aujourd'hui Jérém Star, c'est lui qui prend cher. Et bah voilà, tout se sait dans la vie, donc voilà, il nous a fait du mal et il va savoir ce que c'est que de faire du mal aux gens. Et voilà, je tenais à le dire. Donc le monde part un peu en cacahuète. Et bah lui, bah, je pense qu'il va prendre cher. Alors les gars, toutes ces années à me faire critiquer, à me faire insulter sur les réseaux sociaux à cause de Jérém Star, qui sème le vent, récolte la tempête. Donc j'ai envie de répondre à tous ceux qui parlent là, qui disent ouais. Tous ceux qui ont été muets pendant des années, etc. J'ai été muette pendant des années, c'est vrai. Parce que le mec, en fait, s'est permis de me clasher, de balancer des trucs mauvais, des trucs méchants, des trucs parfois qui sont faux. Il a sorti des choses vraies, je l'assume complètement. J'étais en couple avec Vincent Kéjo, par exemple, c'est des choses vraies. Par contre, maintenant, on peut pas me juger que je suis en train de parler. Parce qu'avant, en fait, essayer de rétorquer ou essayer de me défendre, enfin. Vous auriez dit, ouais, elle essaye de se défendre, nan, 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 ça veut dire que ben, Jérém Star dit la vérité. Non, en fait, le gars, je ne donnais aucune importance parce qu'il ne le méritait pas et j'ai bien fait de pas répondre. Maintenant, eh ben, il a cherché la merde, ben, il l'a trouvée. Hein. Je pense que au bout d'un moment, à force d'être méchant, eh ben, tu récoltes ce que tu as semé, quoi. Voilà, tu as voulu jouer, tu as perdu. Aïe, 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 l'hyperactivité sur les réseaux sociaux. Allez tous sur Twitter là, mettez hashtag Jérém Pervers parce qu'il faut enfin dénoncer ce genre de personnes. Bon, bah, en tout cas, je voulais vous dire que bah, j'ai passé une super bonne soirée. On dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il s'est bien foutu de ma gueule pendant quasiment 7 ans. Il s'est bien amusé de toutes ces soirées en trouvant des trucs sur moi et en se foutant de ma gueule. Et voilà, bah, ce soir, c'est moi qui m'amuse bien.